Ok, là je suis en live. Faut que je fasse promo en personne. Mais Dimitri, est-ce que tu peux me dire juste pour quelle raison tu iras à Venise, à la Biennale de Venise? Il y a raison, j'ai des conditions. Déjà, il faudrait que j'ai quelqu'un avec moi. Sinon, j'y vais pas. Première solution. C'est des conditions. Après, sinon, moi. Après, mais la raison pour laquelle tu irais, pas les conditions, les raisons, aller à la Biennale. Déjà parce que j'y suis déjà allé. Ouais. Donc c'est comme une habitude, quoi, tu vois. Mais en même temps, bon, tu sais que tu vas voir des trucs qui vont te donner. J'allais voir les expos d'art contemporain. Avec tout ce qu'il peut avoir d'habitude, moi j'aime bien. Tu vois. Moi ça me plaît parce que. Tu fais un peu ton marché, tu vois ce qui te plaît, tu vois les nouvelles choses. Tu te plaît, t'as énormément de choses qui te plaisent, ça, mais sinon t'as des choses comme intéressantes parce que il y a assez de choses, tu vois, puis là il y a tellement de choses que celui qui a pas de goût, bah voilà quoi, mais celui qui a quelque chose en tête, il cherche quelque chose qui a une petite sensibilité, il y en a trop quoi, donc c'est vraiment à toi de. Et c'est ça qui me plaît là-bas, il y a des trucs super, et d'ailleurs ce qui est bien à Venise, c'est ce que c'est que t'as deux endroits, t'as Giardini, où c'est payant. Et t'as l'Arsenal, où c'est payant. Et à côté de ça, t'as tous les petits palais à l'intérieur, machin, où t'as des interventions d'artistes dedans qui sont complètement gratuites. Et tous les trucs les plus splendides que j'ai vus, c'était là-dedans, ça. Et dans le off, en fait. Dans le off. C'est toujours là le plus intéressant. C'est ça qui est rigolo, parce que... Tu vois, t'as ce côté un peu avec toute cette notoriété, et en même temps, t'as vraiment des choses intéressantes. C'est ça qui est rigolo là-bas, quoi. Tu vois, t'as énormément de choses, c'est la plus grande exposition. Après, t'en as une autre à Berlin d'Europe, et t'en as tellement que bon, bah voilà, quoi. Tu t'es pas trop con, t'arrives finalement à trouver quelque chose qui te plaît sans qu'on te prenne, sans qu'on te dise que tu dois aimer. Ok, c'est vraiment là, ouais, ouais. Tu vas tester dans la mâche, quoi. Tu vois, on ne dit pas ça, c'est bien, quoi. Ah oui, donc c'est bien, parce qu'on me l'a dit que c'était. Non, non, il n'y a personne qui va te dire. Toi qui vas dire ça, c'est bien, ça me plaît. C'est ça qui est intéressant là-bas, quoi. C'est vrai, non? C'est vrai. Non? Merci, Dimitri. Donc pas, toi? Ouais, si, moi aussi, je pense la même chose.